Soit toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage, et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophronie. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges dans leur bouche. Plus de langage trompeur, mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le royaume de ciel est à vous.
fais justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Aide les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Lecture de la première lettre de saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Couvrir de confusion des sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Alors il les enseigna. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre le début du discours inaugural de Jésus, la proclamation des béatitudes. Un véritable programme de sainteté offert comme autrefois Moïse avait transmis la loi sur le mont Sinaï. Jésus reprend ainsi une profonde intuition spirituelle d'Israël, cette humble espérance du petit reste que constituaient les pauvres du peuple, comme le prophète Sophonie l'avait formulé, ce que nous avons entendu à la première lecture de ce jour. Jésus a commencé sa vie publique par des œuvres éclatantes, dont saint Matthieu nous offre un résumé rapide que nous avons entendu dimanche dernier. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Le Messie commence à former autour de lui le nouveau peuple de Dieu. On l'a vu dimanche dernier appeler quatre premiers disciples pour en être les pierres de fondation. Aujourd'hui, il prononce son premier discours, les béatitudes, pour expliquer les fondements de cette nouvelle alliance. Comme le Christ en Galilée, le prophète Sophonie, dans la première lecture, s'adressait aux humbles de la terre, le reste fidèle d'Israël qui forme un peuple petit et pauvre et qui n'a d'autre refuge que le Seigneur. L'évangéliste saint Matthieu utilise les mêmes termes, pauvres d'esprit et doux. Ils sont bien ceux qui ont accouru au miracle de Jésus, contrairement aux puissants et aux sages qui l'ignorent, comme Hérode et les scribes lors de sa naissance. Le Christ, au-delà du petit attroupement au bord du lac de Tibériade, embrasse son regard tous les pauvres de tous les temps et les déclare bienheureux, contrairement à l'esprit du monde. Bien plus, il les invite à le rejoindre pour constituer un nouveau peuple saint. Et tout ce petit peuple amassé autour de Jésus, bénéficiant de ses guérisons et ses instructions, aura pu reprendre ce psaume 146 pour exprimer son émerveillement devant l'action du Christ. Ce qui était autrefois un pieux espoir dans la providence divine, le Seigneur fait justice aux opprimés, ceci devient réalité tangible et historique à la venue de Jésus. Sa présence instaure le règne de justice et de vérité que le petit reste d'Israël attendait. En déclarant bienheureux les pauvres en esprit, il leur rend digne cette dignité que le monde ne veut pas leur reconnaître. Par ce miracle qu'il accomplit par compassion pour ses frères, il vient donner le pain aux affamés
et délier les enchaînés, tant physiquement que spirituellement. Le psaume décrit ainsi, une à une, toutes les œuvres de miséricorde que le Christ accomplissait en Galilée. Il se conclut par ce verset omis par la liturgie d'aujourd'hui, « Le Seigneur règne pour tous les siècles, ton Dieu au sillon d'âge en âge. » Jésus est venu donner un visage concret à ce royaume et les pauvres d'hier et d'aujourd'hui ne s'y trompent pas. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Pour notre Mère, la Sainte Église, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, ensemble prions. Afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse. Ensemble prions. Ô ta tendresse, écoute-nous, Seigneur. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile. Ensemble prions. Ô ta tendresse, écoute-nous, Seigneur. Et pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre de tous ceux qui croient au Christ. Ensemble prions. Ô ta tendresse, écoute-nous, Seigneur. Viens en aide, Seigneur, à tes fidèles. Viens en aide à ceux qui te supplient. Ne prive pas de tes secours sur terre ceux que tu veux conduire à la cité du ciel. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur nous soit pour ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre Père et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Fais-moi, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque chanteur, notre père Abbé Marc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. T'offre pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge,
Mère de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien et tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-nous. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes ennemis. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, et devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps qui fait. Cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Pour vous, cela, en mémoire. Les grands mystères de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection, ses doux démons, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons de la gloire et de la majesté. Cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du sang. Comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour. Et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire et sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du Saint. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, amenez-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé,
Ignace Alexandre Marcelin et Pierre. Félicité perpétue à Nantes, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces liens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. À toi que le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout en œuvre que de loi, pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que soit venue cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Fils. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
fortifié par le sacrement de notre rédemption, et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Amen. Thank you.